Mets-moi une pression, s'il te plaît. Parce qu'ici, je la subis pas. Je la bois, moi. Ouais, c'est l'histoire d'un aveugle qui entre dans un bar. Puis dans une chaise, puis dans une table. C'est bon, ça? C'est parce qu'il voit rien. Il est africain. C'est pas forcément l'africain. Il voit rien. Il aime bien mes vannes, lui. Tiens, d'ailleurs, qu'est-ce que c'est que ça, là? Un pistolet. Non, c'est un nain qui a pris du Viagra. Regarde, non. Il a pris du Viagra. Eh, c'est toi, mec, avec du Viagra. Eh, arrêtez de parler, j'en ai une autre. C'est le petit Benjamin, il prend sa douche, il se masturbe. Sa mère entre dans la douche. Elle dit, mais qu'est-ce que tu fais, Benjamin? Tu te branles? Le petit répond, bah si on peut pas se laver la bite à la vitesse qu'on veut. Eh, j'en ai une, moi. Vous connaissez ces histoires de prostituées qui se disputent? Comment ça? C'est deux prostituées. Elles parlent, elles se disputent. On va compris. Mais si. On ne comprend pas. Les deux meufs, elles se disputent. Après? Parce que c'est des putes, les prostituées. Hein. Oui, certes. Comment on appelle la zone érogène d'une portugaise? Le point P. Oula, le nain. Eh, j'en ai une autre. Eh, c'est deux hiboux pédés qui sont sur les bras. L'un des deux dit ouh, ouh. Et l'autre répond, mais dans le cul comme d'hab. Eh, j'en ai, les gars. Quel point commun entre un boucher et Rocco Siffredi? J'ai un petit peu de rap, je le mets quand même. Ah bon. À la bite, quoi. La bite. Eh, hey, c'est un petit Africain, il demande à son papa, je peux jouer avec ta bite? Et le papa répond ok, mais va pas trop loin. Eh, hey, dites-moi les gars, qu'est-ce que vous faites là? Vous m'écoutez pas quand je parle? Eh, hey, qu'est-ce qui pèse 500 kilos le matin et 1 gramme le soir? Et une femme. Oh, le con. Parce que le matin, tu lui dis, amène-moi mon café, grosse vache. Et le soir, on lui dit, eh, hey, tu viens au lit, ma puce? J'aime pas quand tu rigoles comme ça, toi. Eh, hey, à la vôtre. Eh, hey, je vous ai pas raconté l'histoire de l'aveugle qui passe devant une poissonnerie? Non. Ben, c'est un aveugle qui passe devant une poissonnerie, il renifle. Il dit, salut les filles. Ah bon, hein? Le nain, il aime bien le nain. Il aime bien les vannes. Toi aussi, dis-moi dans les commentaires quelle vanne de beauf tu pourrais me dire. On va peut-être les sélectionner pour la prochaine. N'oublie pas de mettre un pouce bleu et abonne-toi à la chaîne si t'apprécies. C'est la java, la vieille mazurka du vieux Sébasto. Je suis ta mélèze, je suis ta gonzesse, tu es mon gilot.